je le sens. Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français d'apprivoiser la fabrication numérique. Cette fois-ci, on va parler d'impression 3D. On va découvrir ensemble l'imprimante Kingrun KLP-1. C'est une imprimante qui fait quand même plusieurs belles promesses, qui est plutôt abordable, donc on va voir de quoi elle est capable. On va s'en servir entre autres là, pour réaliser un projet des fêtes un petit peu irrévérencieux. Ça va être super beau, mais surtout super bon. C'est parti! La première chose que je vais faire, c'est le déballage et l'assemblage de la machine. Je vais vous passer ça assez rapidement. Je vais vous parler seulement des faits saillants. Puis je vais laisser la voix hors champ vous parler des principales spécifications de cette imprimante-là. L'imprimante KLP-1 est bâtie sur une structure corps XY. Le corps de la structure de métal est robuste. Les axes X et Y roulent sur des guides linéaires. La carte mère est équipée du microprogramme Clipper qui promet des impressions rapides et de grande qualité. La tête chauffante tout métal avec cœur de céramique peut travailler jusqu'à 300 degrés C, ce qui permet d'utiliser là, en plus des PLA, PETG et TPU standard, des filaments un peu plus complexes comme le nylon ou la fibre de carbone. Si jamais quelqu'un parmi vous qui a un truc pour enlever ces mousses de papier de protection-là plus facilement, là, j'aimerais vraiment ça le savoir dans les commentaires parce que ça s'enligne pour que ce soit l'étape la plus compliquée et la plus longue du processus. Une tabarouette de petits papiers qui ne veulent pas s'enlever comme du monde. Le volume de travail est un cube de 210 mm de côté. La mise à niveau du lit se fait automatiquement en 36 points. Et grâce au module Wi-Fi, on a accès à un panneau de contrôle hyper complet en ligne sur n'importe quel de nos écrans connectés. Finalement, côté prix, au moment de tourner la vidéo et avant toutes les promos possibles selon les saisons, le prix régulier de la KLP-1 est d'un peu moins de 400 $ américains. Bon, bien, l'assemblage en tant que tel est terminé. Maintenant, pour se préparer à notre première impression, le guide d'assemblage nous dit là, d'aller consulter le manuel qui se trouve sur la clé USB fournie avec la machine. C'est ce que je vais faire maintenant. La première étape de cette configuration initiale-là, c'est la mise à niveau automatique du lit d'impression. Pour ça, il suffit d'amener la buse près du lit, puis de laisser le nivellement automatique s'occuper du reste. Le capteur de proximité enregistre la position du lit à 36 endroits pour se faire une espèce de carte topographique de la surface de travail. Ensuite, on installe et on charge le filament. Le support au dos de la machine est placé un peu drôlement là, par rapport au capteur de fin de filament. Ça va probablement très bien fonctionner, là, mais je trouve que ça donne au filament qui sort de la bobine à un angle un petit peu étrange, mais bon. Rendu là, on doit faire une calibration pour la compensation des vibrations. C'est un petit peu épeurant, là. C'est pas mal bruyant par moment. Je me demandais même là, si l'imprimante n'allait pas se sauver en bas de la table. Pour finir ça en beauté, on doit maintenant faire la calibration de l'avance à la pression. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une valeur qu'on peut ajuster dans Clipper qui permet d'améliorer la qualité des impressions. La tête dessine plein de lignes parallèles, puis le chiffre qui se trouve au bout de la plus belle ligne est la valeur à donner au paramètre Pressure Advance dans Clipper. Donc maintenant, la configuration générale est terminée. Je vais lancer une première impression. C'est le fameux petit bateau Benchy. Il y en a trois versions qui sont déjà préenregistrées dans l'imprimante. Il y en a un standard, un rapide, puis un violent. Je ne ferai pas exprès, là, je vais prendre le standard. Donc on va voir ce que ça donne. Pendant que ce petit bateau-là s'imprime, moi, je vais en profiter de mon côté pour lancer la modélisation de mon projet principal de la semaine. Un emporte-pièce un peu spécial pour faire des biscuits un peu spéciaux. Donc mon plan pour mettre la KLP-1 à l'épreuve, c'est d'imprimer un emporte-pièce pour faire des biscuits de Noël. Je pourrais profiter des possibilités de personnalisation offertes par l'impression 3D à la pièce pour faire des biscuits avec un nom de famille ou autre chose d'intime, mais j'ai été attiré par l'idée de faire un biscuit sarcastique, qui a l'air tout joli quand on le regarde vite, avec des belles écritures festives, mais qui en réalité contient un message un peu bête. Pour mon premier prototype, je me suis arrêté sur la phrase « Pas encore des maudits biscuits de Noël tout secs ».
place mon design dans Inkscape. C'est un outil gratuit avec beaucoup de fonctionnalités similaires à Illustrator. Ça me permet entre autres de mettre mon texte en courbe, puis d'ajouter des cercles d'encadrement. J'ajoute à ça un beau petit flocon de neige et mon agencement est à mon goût. Maintenant, je dois faire un modèle imprimable à partir de mon design. Pour un truc simple comme celui-là, il n'y a rien comme Tinkercad.com. C'est une plateforme de modélisation 3D avec une interface hyper conviviale qui rend plutôt facile la modélisation de forme de base. J'importe mon design que j'avais enregistré au format SVG depuis Inkscape et tout ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter le fond et le pourtour de mon emporte-pièce. De là, je peux tout simplement exporter le résultat au format STL et hop, on est prêt pour le tranchage. La KLP1 est livrée avec le logiciel de tranchage Cura. Kingrun fournit aussi les fichiers nécessaires pour avoir un profil de base pour l'imprimante à l'intérieur du logiciel. Le tranchage, c'est l'occasion de rendre notre impression merveilleuse ou complètement moche, avec tous les paramètres qu'on peut ajuster pour influencer le résultat de l'opération. Franchement, c'est un art qui se maîtrise petit à petit avec l'expérience, et bien honnêtement, je le maîtrise pas moi-même tout à fait encore, alors j'utilise comme point de départ les paramètres proposés par défaut. Comme diraient mes ados à la maison, One Life! Je ne suis pas un grand connaisseur là, du domaine maritime, là, mais à mon œil, à moi, ce bateau-là est franchement joli. En plus, c'est imprimé là, plutôt vite, à peine 30 minutes. Franchement, là, le niveau de détail, la qualité des surfaces, je suis très satisfait. Maintenant, ça va se corser un petit peu parce que je vais imprimer mon premier essai de mon emporte-pièce que j'ai modélisé dans Tinkercad pendant que le petit bateau s'imprimait. Le résultat final n'est pas 100% parfait, mais je suis quand même bien content de comment ça a sorti avec les paramètres par défaut. Prochaine étape, rendez-vous dans les cuisines de la bisounerie. On va aller faire des biscuits. C'est loin d'être parfait, mais c'est quand même assez encourageant pour donner envie là, de continuer à améliorer le concept. Maintenant, ce qui concerne la KLP1, un petit peu comme les biscuits, elle n'est pas parfaite, mais fait quand même très bien les choses. Du côté des pluches, je noterais sa facilité d'utilisation, la robustesse de sa construction et son prix là, plutôt abordable à moins de 400$ américains. Maintenant, il y a deux petits points que j'aimerais améliorer. D'abord, le couvercle supérieur est un petit peu trop près de l'extrudeur. En position fermée, il vient en conflit avec le tube de filament puis le câble d'alimentation. Ça pourrait causer là, des soucis au moment de l'impression. Donc, une des premières améliorations que j'apporterai à la machine sera d'inventer une espèce de couvercle bombé ou des rallonges des membrures de coin ou quelque chose qui fera en sorte de donner un petit peu plus de place pour travailler à l'extrudeur. Au petit point, l'écran est super, mais il est un petit peu petit pour la quantité assez intense d'informations qui est affichée par l'interface de Clipper. On peut contourner ça assez facilement, par contre, là, en utilisant la console Wi-Fi sur un écran
un peu plus spacieux pour avoir un espace de contrôle qui respire un peu plus. Mais somme toute, pour un peu moins de 400$, on a affaire à une machine robuste, complète, qui est capable de faire de très belles choses. Maintenant, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, soit vous êtes un fan fidèle de la chaîne, merci, soit vous êtes très intéressé par une dose hebdomadaire de fabrication numérique en français, auquel cas je vous encourage fortement à vous abonner pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Et si vous êtes présentement branché à votre compte Google, vous allez voir apparaître quelque part par ici un lien vers la meilleure vidéo pour vous, selon le grand cerveau central de YouTube. Vous voulez pas manquer ça? On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!